Et revoilà l'Atlantique ! Un quel plaisir d'être rendu dans l'Atlantique ! Pourquoi ? Cela signifie que j'ai passé le Cap Horn. Les trois bornes, les trois caps ont été passés pour ma part. Il ne reste plus qu'à rallier l'arrivée au Sable d'Olonne. Enfin, il ne reste plus, hein, ça va pas être si simple. Puisque, comme nous le disait Loïc Perron, le Cap Horn, c'est la fin de l'enfer, mais c'est le début des ennuis. Enfin, le début des ennuis, et croyez pas si bien dire. Bon, on va en reparler dans la vidéo. Au passage, bonjour à tous, hein, bonjour à tous les caporniers qui sont à l'image. Bonjour à Nat3125, Alice Braze, Gwenalfi ou Sip Messi. On va changer d'écran. De retour sur l'interface de Virtual Regatta, voyez, la tête de la course est au niveau du Cap Horn, mais on pense à tout le monde, hein, et je vais me reculer, on reparlera de la tête de la course un peu plus tard. Et vous le voyez, il y a une grosse partie de la flotte qui, elle, a passé le Cap Lewin. Une grosse partie de la flotte qui a passé le deuxième cap, bravo à vous. Hein, pour l'instant, les conditions ne sont pas forcément idéales, mais vous avez un petit couloir qui s'ouvre à vous. Hein. Il va falloir passer à proximité de la zone d'exclusion des glaces, ni trop proche ni trop loin, mais vous avez un joli petit couloir qui va vous conduire comme cela jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Qui est-ce qui a passé le Cap Lewin? Eh bien, si on descend un petit peu, on peut remarquer que jusqu'au 350 millième, 370 millième même, vous avez franchi ce cap. Pour les autres qui êtes à proximité de la frégate d'accompagnement, vous allez le passer pour Noël. Félicitations à vous, vous allez atteindre le deuxième cap. Il vous restera à joindre le Cap Horn et vous allez le voir passer le Cap Horn. Cela sera une réelle délivrance. Allez, je retourne au niveau du Cap Horn pour vous montrer que les options sont diverses. Deux groupes pour l'instant, un groupe qui prend à proximité des côtes et un autre qui s'écarte légèrement. Alors, qui aura la meilleure trajectoire? Ceux de l'Est, ceux de l'Ouest? Une chose est sûre, pas ceux qui passeront au centre. Pourquoi je parle de cela? Parce qu'il y aura certains petits malouins qui tenteront de passer au milieu des Falklands. Pourquoi? Eh bien parce que des routeurs, parfois, le préconisent. Mais surtout, ne le faites pas, parce qu'en passant au milieu, vous avez 3% de chance de gagner du temps et 97% de risque de vous heurter dans les terres. Et surtout, vous allez avoir besoin d'être présent en quasi-permanence pour ajuster votre passage au meilleur moment. Le moindre problème de connexion vous sera fatal. Donc si le routeur vous préconise de passer par ici, ne l'écoutez pas. Puisqu'on passe à proximité de ces îles, comment faut-il les appeler? Falkland ou Malouin? Eh bien, ça dépend de quel côté on se place. Il faut savoir qu'à l'origine, le nom Falkland désigne le détroit qui sépare ces deux îles. Le nom de Falkland a été donné par John Strong, le capitaine d'une expédition anglaise qui a débarqué sur ces îles en 1690. Alors vous allez me dire, John Strong, oui, mais pourquoi Falkland? Tu m'expliques toujours pas. Eh bien, c'est assez simple. C'est Anthony Carey, le vicomte de Falkland, qui avait financé son expédition. Et pour lui rendre hommage, il a donné au détroit le nom du vicomte. Donc voici l'explication pour le nom Falkland, mais il y a également le nom Malouin que l'on utilise très régulièrement en France. Ce nom de Malouin a été donné à ces îles par l'explorateur français Louis-Antoine de Bougainville en 1764. En effet, Bougainville qui avait fondé une première colonie sur ces îles après être parti du port de Saint-Malo. Donc assez logiquement, ça s'est appelé les Malouines. Ces îles sous domination britannique font l'objet de revendications de la part des Argentins. C'est même allé jusqu'à un conflit armé, un conflit militaire, la fameuse guerre des Malouines. En 1982, les Argentins ont envahi ces îles. Les Britanniques ne se sont pas laissés faire. Les Anglais, avec Margaret Thatcher, qui était à l'époque Premier ministre, eh bien, a riposté, a envoyé des hommes, a réussi à récupérer les îles. Et la conséquence principale pour l'Argentine, eh bien, c'est que cela a contribué à faire tomber la junte militaire qui dominait le pays et on allait progressivement vers une transition démocratique. Certes, pour les Argentins, le début de la transition démocratique est une conséquence heureuse de cette perte des Malouines, mais c'est dans le pays un grand traumatisme. Les relations entre les Anglais et les Argentins ont été dégradées pendant fort longtemps et c'est dans ce contexte, désolé je vais un petit peu parler foot, que s'est déroulé en 1986 le fameux match entre l'Argentine et l'Angleterre. Vous savez, ce match avec le but de Maradona de la main, la fameuse main de Dieu, et ensuite le but du siècle, le fameux raid où il efface quasiment toute la défense avant de tromper le gardien, le peuple argentin qui a exulté. Pourquoi? Il y avait certes la victoire, mais surtout cette victoire était contre les Anglais, contre les Britanniques qui leur avaient quelque part volé les Malouines, donc il y avait un sentiment de revanche très fort. Je vous le rappelle, on était 4 ans seulement après la fin de la guerre. Donc vous le voyez, ces îles représentent un fort enjeu. Pour nous, sur Virtual Regatta, elles sont plus l'objet de craintes et de prises de tête. Par où faut-il passer? Vous avez le groupe de tête dans lequel vous trouvez par exemple Achille Nebout, qui vont normalement passer à l'ouest de ces îles. Vous avez un autre groupe dans lequel je me trouve, où vous avez par exemple Alberto Bona ou Loïc Perron, qui semblent pour l'instant se diriger à proximité de la zone d'exclusion antarctique. Quel est le meilleur chemin? Eh bien malheureusement, on ne le sait pas. Ça, on pourra le mesurer
dans quelques jours, lorsque les deux groupes se rejoindront. Il y en aura peut-être un qui aura pris 2 ou 3 jours d'avance sur l'autre, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas encore lequel. Avant de conclure la vidéo, je fais un petit tour sur la course de la Fondation Tara Océan, la première étape entre l'Orient et Mines de l'Eau. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour vous montrer mon bon résultat. J'occupe actuellement la 51e place. J'en suis plutôt fier, mais j'ai bien conscience que cela ne va pas durer. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai décidé de couper au plus court, hein, de passer à proximité de l'anticyclone, et je vais à mon avis me retrouver trop ralenti. Non, celui qui à mon avis fait pour l'instant la meilleure course, il est juste ici. C'est Patman 94, il a longtemps été assez loin au classement, et là il est en train de profiter de son option. Il avait pris une option très offensive, une option très à l'ouest, vous pouvez le voir. Il a toujours été bien décalé par rapport à moi, et maintenant ça paye, il a des vents bien plus favorables, et il occupe actuellement la 150e place. J'imagine qu'il va rentrer très très rapidement dans le top 100. On termine la vidéo avec le bateau de Demon Rider. Demon Rider qui est à l'approche de la 300 000e place. Bon courage à toi, je pense que tu vas pouvoir rentrer dans le top 300 000 d'ici quelques jours. Si vous voulez passer à l'image comme lui, eh bien c'est très simple. Vous laissez un petit commentaire et celui qui aura le plus de likes, il passera à l'image. Moi je vous souhaite une bonne journée, un bon réveillon et surtout, bon vent!